leur but traversé sans me faire écraser. Cette pute de vie, ses malheurs, ses horreurs, ses dangers et ses passages coûtés. Et voilà. Ça fait au moins 3 heures que je te parle. Je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment? Lambert. Inspecteur Lambert. C'est quoi? Ouvrir une station service du cœur en quartier chaud. Moi, que tu sois arabe ou marocain, je m'en fous. T'habites le quartier? Un espoir et une belle idée pour le fondateur des restos. Quoi, change-moi? T'es trafiquant, quoi, tu vends de la drogue. Coluche, on connaît là. Je te déçois. Non, je m'en fous. Terminer le chacun pour soi. Ciao Pantin, demain à 21h sur France 3. Spectacle Holiday on Ice avec Sarah Bitbol et Stéphane Bernadis au Zénith de Paris du 5 au 15 février 2004 et en tournée dans toute la France. Une jeune fille de 13 ans, victime d'un viol. L'hôpital m'a transmis le dossier. Hein. Une sale affaire, collapsus nerveux, rapport sexuel. Ne touche pas! J'ai besoin de son témoignage pour mon enquête. C'est beaucoup trop tôt pour un interrogatoire. Vous avez une petite fille en état de choc, j'ai un violeur en liberté. Je veux vous parler d'Elisabeth. Ma fille et moi, on veut tout oublier. Vous voulez oublier? Il s'agit de la santé mentale d'une jeune fille qui a subi une violence, une très grande violence. Je suis sûr que vous en savez plus que vous voulez m'en dire. Une psy, un juge, le duo de cœur, Claudia Cardinal, Jean-Claude Brialy, saura-t-il vaincre la prison de silence d'Elisabeth? Mardi à 21h sur France 3. La tragédie américaine se situe dans la carrière de Joseph von Sternberg entre Tichonor, X-27 et Shanghai Express. A l'origine, le film devait être mis en scène par Sergei Eisenstein, que la Paramount avait engagé à cet effet, achetant par ailleurs pour 150 000 dollars les droits d'adaptation du roman de Theodor Dreiser. Mais le scénario, trop touffu, fut rejeté par le studio et Eisenstein y vit la difficulté, sinon l'impossibilité, de travailler à Hollywood. Adolf Zukor, le patron de la Paramount, demanda alors à Sternberg de reprendre le projet, afin de ne pas perdre la totalité des frais déjà engagés pour l'achat des droits du roman. Sternberg accepta, déclarant lui-même « J'y voyais un antidote à mes 3 derniers films », 3 films qu'il avait tournés avec Marlène Dietrich. »